En France, l'ancien trader Jérôme Kerviel est sorti de prison ce matin, condamné à 3 ans de détention ferme pour avoir causé près de 5 milliards d'euros de pertes à la Société Générale. Il bénéficie d'un placement sous bracelet électronique. Jérôme Kerviel aura passé au total 5 mois en prison. Il sera employé comme consultant dans une entreprise de conseil en logiciel informatique. Je suis super heureux de sortir aujourd'hui. Ça va être plus facile pour moi, évidemment, pour mes proches, pour travailler sur le dossier, pour continuer ce combat-là. L'avocat de l'ancien trader estime qu'une nouvelle page se tourne. Il est temps aujourd'hui de relancer le logiciel de l'affaire dite Kerviel pour le regarder en face et se dire qu'il n'y a plus d'affaire Kerviel. Il y a aujourd'hui une affaire Société Générale, puisque vous savez que des plaintes ont été déposées par notre cabinet. Jérôme Kerviel a notamment porté plainte contre la banque pour subornation de témoins. Mais un nouveau procès doit également déterminer le préjudice financier présumé de la Société Générale et le montant des dommages imputables à l'ancien trader après que la Cour de cassation a cassé la décision initiale sur ce volet.